obtient la liberté provisoire. Aujourd'hui, tenons. Seigneur Dieu, tenons obtient la liberté provisoire. Il est en ce moment, par la grâce de Dieu, libre pour aller arranger son bras qui ne veut pas guérir. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est que c'est quoi? Voilà tenors qui sont, pendant ce temps, des artistes continuent à se faire des coups bas et à s'empoisonner. Il y a 4 artistes à l'instant où je vous parle qui sont sous l'effet du poison. Si on n'intervient pas rapidement, vous allez entendre le prochain mot dans les heures qui viennent. Je n'ai même pas dit les mois ou les semaines. C'est une question de jours. Le poison est en train de travailler les artistes camerounais, je vous assure. La plupart sont en train de vouloir chanter les musiques chrétiennes maintenant. Les gens sont en train de chanter des choses, on ne sait même plus ce qui se passe. Le déo est mauvais. Le déo est mauvais. Ténor est dehors et certaines personnes sont en train de pleurer déjà. Votre problème, c'est quoi? J'avais dit qu'on avait vendu Ténor. En fait, on voulait sacrifier Ténor. Moi, on ne m'a pas cru. Attendez. Quand Ténor va devenir un homme de Dieu, vous allez témoigner ici dehors. Tout le monde l'a abandonné. Tes vrais amis sont les amis de galère. Tes vrais amis. Mes amis, arrêtez avec la stamania, ça ne rapporte pas. Les vrais gens qui t'aiment sont ceux qui étaient avec toi quand tu n'avais rien. J'espère que ton nom est en train d'apprendre la leçon. Voilà. Moi, j'ai prié pour ton nom. Parce que moi, je crois en ton nom. Je crois au don de ce gars. Donc, je veux lui dire, bienvenue ton nom. Voilà. Tu ne vas plus retourner là-bas, tu comprends. Dieu va intervenir en ta faveur. Seulement, mets ta vie en règle avec Dieu. À tous les artistes qui sont en train de mourir, je reçois dans mon inbox tellement d'informations. Je vous dis que le dehors est mauvais, s'il vous plaît. Si un artiste t'invite à manger, on t'invite à chanter, ne bois pas, ne mange pas. Tu es invité à un cabaret, tu es invité à une cérémonie. On te donne 500 000, 1 million. Ta vie dépasse 500 000 et 1 million. Ne bois pas. Prends ton petit qui ramasse l'argent là. Il marche avec ton eau. Je te dis la vérité. Et même si c'est séparé de l'eau là, ne bois plus. Le dehors est mauvais. Avant la fin de cette année, il y a des artistes qui doivent mourir. Des grands noms font partie avec des jeunes. Ténor et Dior et nous célébrons Dieu. Que les jaloux aillent mourir. Moi, je prie simplement pour la famille de l'enfant. C'est tout. Que Dieu vraiment accorde sa grâce à cette famille. Toutes mes condoléances. Quand on parle des Bamoun, quelqu'un avait dit que Ténor vient d'ôter le cadavre. Voilà maintenant que le roi Bamoun, Papa Njoya est mort. Oh Seigneur Dieu, aide-nous, Papa Njoya. Est-ce que vous savez que parmi les 5 piliers mystiques de la possession de ce régime, Papa Njoya était l'un des 5. Le pouvoir qui maintient certain nombre de pratiques en place. C'est un pouvoir qui vient de Bamoun. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais vous allez comprendre ce que j'ai dit. Si les Camerounais sont gouvernés par l'esprit de crabrologie, le pouvoir du serpent est fort dans les hauts lieux. La mort donc de Papa Njoya va entraîner un cataclysme, un effondrement des vieux sur lesquels il s'éteignait parce que c'était comme un totem. Papa Njoya était ministre, vous n'oubliez pas. Et c'est là qu'il a quitté après la mort de son père pour devenir le sultan roi de Bamoun. Il est assis sur un totem grave. C'est pour ça que le sultanat Bamoun est l'un des plus dangereux au Cameroun. Le serpent a 2 têtes.
On ne blague pas avec ça. Le décès de Papa Njoya va entraîner la mort de plusieurs sénateurs. Suivez mon regard. Ils ont commencé à trembler. La mort de Papa Njoya va entraîner le décès de certaines personnes qu'on ne pouvait pas imaginer. Avant le 31 décembre, moi, je ne suis pas un prophète qui bavarde. Notez ma prophétie. Attendez. Le jour où on fait les funérailles, la semaine où on enterre Papa Njoya, quelqu'un va encore tomber. Peu importe, même si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Il était assis sur quelque chose de dangereux et de fort. Voilà. Donc, chapeau, Yesu, je veux parler. Il y a une nouvelle porte de décès qui arrive au Cameroun. Croyez-moi ou ne me croyez pas, ça vous regarde. J'ai vu et vous allez voir. Je n'ai rien à faire de tous les moqueurs. Les artistes, faites attention avec l'empoisonnement. Et les pasteurs, alors, ils sont entrés dans la gamme grave. Les pasteurs même s'empoisonnent. Il y a un autre qui allait se faire soigner au Gabon l'autre jour. Il a dit que, mes frères, si vous allez à une réunion des pasteurs, bénédiction des mariages, pendant qu'on dit fermons les yeux pour prier, ouvre tes yeux, mon frère, ouvre, ne ferme pas. Si tu fermes tes yeux, Judas n'était pas musulman, Judas n'était pas publicain, Judas n'était pas pharisien, Judas était un disciple de Jésus. C'est toujours les gens qui sont à côté de toi qui vont te tuer. Christ dit, je suis le dossier de ton nom à la loupe, je m'interroge. Il n'y a rien à t'interroger, il n'y a rien. Tes noms devaient sortir. On a mis tes noms en prison pour calmer les gens, c'est tout. Tes noms ne va plus rentrer, il n'y a pas de problème. Je te parle, non. J'ai présenté deux chemins pour ton nom. J'ai dit qu'on allait vendre ton nom. Et j'ai bien dit que moi je crois à cette version parce qu'il y a la deuxième version que je ne veux pas croire. Que tes noms a sacrifié pour pouvoir prendre de l'ampleur et de l'envol. Je ne crois pas à cette pour plusieurs raisons. Quand tes noms étaient ici à Abidjan, il était à l'hôtel Eiffel. Demandez-lui, hôtel Eiffel. Quand il est venu pour le show, One Woman Show de sa chérie Coco, celle qui est noire là, il était là. Et je ne suis pas loin, à la Riviera Palmeraie, voilà. Je connais. On passe souvent par là pour aller. Prions pour la nation camerounaise. Le mois, la fin de cette année ne sera pas bien. Prions pour les Camerounais. La fin de cette année ne sera pas bien, je vous assure. On a besoin de la grâce de Dieu. Je vous aime. Ténor, va chercher un pasteur, il prie pour toi. Tu es entouré de vipères. Ténor, cherche un pasteur, il prie pour toi. Tu es entouré de vipères. Papa, mes condoléances à tout le peuple Bamoun. Que Dieu vous soutienne. Préparez-vous. La mort de Papa Njoya ouvre la porte à des morts bizarres au sein du régime. C'est Dieu ne dort comme d'homme qui a parlé. Voilà. Soyez bénis.